Le Centre de soins d'accompagnement et de prévention des addictions, le CESAPAC de Basse-Terre, a ouvert ses portes au public. Une opération communication à l'approche des fêtes du carnaval propice à toutes sortes d'abus. Notre thème de la journée, l'envers du décor, veut dire qu'à cette période chaude de l'année, où tout le monde a envie de fêter, de bien profiter, il y a des risques à vouloir bien fêter, bien en profiter. Donc bien fêter ne veut pas dire braver les dangers. Les dérives addictives seraient nombreuses lors du carnaval, mais les plus significatives sont les comportements sexuels à risque. Nous sensibilisons les jeunes, oui fêter, mais ne prenez pas de risques, ni par rapport à un produit, alcool, drogue, mais ni par rapport aussi à un comportement sexuel. Le CESAPAC soutient les membres de l'entourage familial et prend en charge les victimes. L'institution dispose pour cela d'une équipe de professionnels composée de médecins, de psychologues, d'infirmières et d'éducateurs spécialisés.